Là, en fait, on est en train de répartir les documents qui ont été récupérés le long des barrières. On les répartit selon leur état d'humidité pour savoir lesquels faire sécher en premier quand on va retourner aux archives cet après-midi. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on trouve là dans ces caisses? Vous pouvez nous montrer? Oui, bah, par exemple, dans cette caisse-là, on met tout ce qui est plastifié, parce que de toute façon, tout est mouillé avec le temps qu'il y a eu ces derniers jours. Donc là, on met tout ce qui est plastifié. Ça pourra attendre un petit peu plus longtemps que certains autres documents qui sont complètement détrempés et complètement mouillés, que là, on va devoir faire sécher très vite. Dès cet après-midi. Et là, à l'intérieur du camion, qu'est-ce que... Tout ce qui est très grand, en fait, et qu'on ne peut pas rentrer dans nos caisses, on essaye de les poser à plat et de... Voilà, pour ne pas avoir à les plier, en fait, vu qu'ils sont mouillés, les laisser à plat un maximum. Direction les archives. Exactement, direction les archives et opération séchage pendant plusieurs semaines, là, je pense, vu la quantité de documents. Une espèce de bonsoir.